Isabel va a retomar la lección y las preguntas las dejaremos para el final porque en la primera parte pues no ha habido prácticamente tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Las cuestiones me dan? Si quieres al final. Ah, bueno, tenemos todo. Bueno, de acuerdo. No. Juste deux minutes. Dans cette deuxième partie de ma conférence, je vais vous parler plutôt des migrations économiques, sachant que ça me semble ne pas être l'approche idéale pour parler des migrants et du marché du travail. Parce que, en réalité, l'accès au marché du travail sur un territoire donné pose non seulement la question des migrations économiques, mais également la question des autres migrations. Et ça, je crois qu'il est important de le rappeler et de s'en souvenir, c'est que peuvent accéder au marché du travail non seulement des migrants qui font la demande express à partir de leur pays d'origine pour accéder à ce marché-là, mais y accèdent également les membres de la famille de ce migrant comme effet du droit au regroupement familial et accèdent également au marché du travail des personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés politiques. C'est important de le savoir parce que aujourd'hui, l'Europe et les États membres de l'Europe sont traversés par le débat suivant. Les pays manquent de main-d'œuvre. Ces pays manquent de main-d'œuvre peu ou pas qualifiée et de main-d'œuvre hautement qualifiée. Or, comme je viens de vous le dire dans la précédente conférence, il existe des écarts importants entre les taux d'activité des femmes étrangères résidant sur ces territoires comparées au national, et il existe des écarts entre les taux d'activité des jeunes issus de la migration et les nationaux. Et globalement, dans chacun des pays concernés, il existe des taux de chômage importants, voire de forts taux de chômage. Donc la question est une équation avec des éléments presque contradictoires à mettre ensemble, puisque la question est de savoir comment légitimer, comment réguler l'appel à de la main-d'œuvre extérieure au pays, sachant que sur ce territoire-là, dans ce pays-là, il existe des taux de chômage dits de 10% en France, ou voire plus dans d'autres pays. Donc, dans ces pays, il existe une main-d'œuvre disponible, qu'elle soit d'origine nationale ou d'origine étrangère, qui espère obtenir un emploi. Donc, l'équation est difficile. L'Union européenne a lancé et veut lancer un débat sur l'émigration économique. Pour cela, elle a publié un livre vert
en janvier 2005. Ce livre vert n'est pas la première tentative de l'Union européenne d'aborder la question des migrations économiques. En effet, en 2003 déjà, l'Union européenne a tenté de proposer un texte sur cette question. Mais c'est une question trop controversée pour être réglée par le haut, c'est-à-dire pour être réglée par une décision des bureaucrates de Bruxelles. En tout cas, on constate qu'elle suscite tellement de résistance dans les États membres que l'Union européenne a décidé, c'est très intéressant, de changer de procédure et au fond d'instaurer une procédure de consultation et de débat sur cette question. C'est une question controversée parce que dans certains États membres, alors qu'il existe des besoins de main-d'œuvre, on a mis en œuvre des législations restrictives en matière migratoire, qu'il s'agisse des migrations politiques, des migrations familiales ou des migrations économiques. C'est-à-dire que dans ces États membres, on constate effectivement qu'il existe des besoins, mais pour autant, il n'est pas question de combler ces besoins en ouvrant les frontières et en imaginant une perspective de libre circulation. Non, au contraire, dans ces États membres, que sont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres, dans ces États membres, on cherche à résoudre de manière utile la question. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver des solutions qui correspondent exactement aux besoins déterminés. D'où le développement de pratiques de quotas selon des formules diverses et variées dans chacun de ces États membres. Ou bien, s'il n'y a pas de pratique et d'expérience de quotas, ce qui est le cas en France, on maintient la législation telle qu'elle est et qui est une législation qui consiste à imposer aux migrants économiques de demander une autorisation administrative de travail pour accéder à un poste de travail déterminé. Et on pourra revenir sur ces méthodes qui sont utilisées en France et ailleurs. Alors, d'un côté, il y a des besoins. De l'autre, on ne veut pas ouvrir malgré tout les frontières. Et en même temps, l'Union européenne a l'ambition d'avoir une politique commune en ce domaine. Alors, changement de fusil d'épaule, on a imaginé donc ce livre vert. Ce livre ouvre un débat sur les procédures d'admission pour les migrations économiques des ressortissants d'États tiers. C'est-à-dire qu'avec ce livre vert, il n'est pas question d'aborder la question de la migration intra-européenne, c'est-à-dire de la migration fondée sur la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que la communauté se lance dans ce débat ? Eh bien, tout d'abord, parce que depuis le traité d'Amsterdam, en vertu de l'article 63, le Conseil doit arrêter des mesures relatives aux politiques d'immigration dans les domaines, notamment, de l'entrée et de séjour des migrants, ainsi que élaborer des normes relatives aux procédures de délivrance par les États membres des visas et des titres de séjour de longue durée. Et c'est au Conseil européen de Thessalonique, de juin 2003, que l'Union européenne a mis l'accent sur la nécessité d'envisager les moyens juridiques permettant à des ressortissants d'États tiers d'immigrer dans l'Union en tenant compte de la capacité d'accueil des États membres. Et ça, donc, c'est intéressant, c'est que
depuis le Conseil de Thessalonique, et on va le voir dans le livre vert, ont l'union à l'ambition d'associer immigration économique, capacité d'accueil des États membres et intégration. Les deux aspects sont intimement liés. Pourquoi ? Parce que l'Union tire les leçons des vieux pays d'immigration que sont la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, qui ont reçu depuis de nombreuses années des migrants économiques et qui n'ont jamais pensé à l'intégration de ces migrants et qui aujourd'hui se trouvent devant une difficulté majeure qui est celle de la désintégration des primo-arrivants, mais aussi des deuxièmes générations de ces migrants qui ont été contraints de rester là en raison de la fermeture des frontières dans le milieu des années 70. Et donc, pour l'Europe, ça c'est une leçon du passé de ces pays-là. Dans le projet de constitution européenne, qui est un peu mise à mal ces derniers temps, il est également stipulé que l'Union doit développer une politique commune de l'immigration pour assurer à tous les stades une gestion efficace des flux migratoires. Et ça, c'est un autre élément à prendre en considération. Premier élément, il existe des besoins économiques et donc il faudra faire appel à des migrants. Mais deuxième élément, ces migrants, il faut chercher à les intégrer. Et troisièmement, il n'est pas question d'ouvrir ses frontières à tous. Au contraire, on cherche à maîtriser les flux. Et donc, il faudra mettre en place des politiques communes de gestion des flux. Ça veut dire des politiques communes de pénétration et de la première pénétration sur le territoire européen, c'est-à-dire dans les pays limitrophes du territoire de l'espace européen. La Commission reconnaît l'impact du déclin démographique et du vieillissement de sa population concernant la déclinaison des besoins de main-d'œuvre. Cela veut dire que ces besoins sont non seulement des besoins de très court terme, et chacun des pays du nord de l'Europe a connu et connaît ces besoins de très court terme qui ont été gérés d'une manière assez étonnante, et on pourra en reparler, notamment de la gestion des besoins dans les secteurs de la santé, ou dans le secteur informatique, donc des besoins de très court terme, mais également des besoins de long terme, eu égard au vieillissement de la population. Et puis, pour la Commission et pour l'Union, il est très clair que ces besoins s'inscrivent dans le cadre de la compétitivité internationale que se livrent les régions du monde entre elles. Et donc, pour l'Union européenne, il est important de se positionner sur un marché du travail global et de pouvoir et d'être à même d'attirer mieux que les Nord-Américains ou mieux que certains pays d'Asie ou du Moyen-Orient la main-d'œuvre dont elle a besoin. C'est pourquoi, quatrième élément du débat, l'Union européenne préconise aussi que ses besoins soit conçu, soit géré en prenant en compte les droits qui doivent être reconnus à ces personnes. Des droits, c'est-à-dire en associant à la migration et à la réponse à un besoin économique l'élaboration d'un statut du travailleur migrant qui comprennent des droits économiques et sociaux dont la nature, le degré et la portée doivent être bien évidemment discutés. Donc, telle est l'ambition de l'Union, c'est de répondre aux besoins en prenant en compte tous ces éléments-là. On estime que
les niveaux globaux d'emploi dans l'Union européenne baisseront, que le déclin de la population active des 25 États membres de l'Union européenne va impliquer une chute du nombre des travailleurs de l'ordre de 20 millions à l'horizon 2030, sur la période 2030-2050. Et bien que l'immigration ne constitue pas en soi une solution au problème de vieillissement de la population, les flux migratoires seront nécessaires pour couvrir les besoins du marché européen. D'où la décision donc pour la Commission d'ouvrir ce débat avec tous les acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs sur le plan européen, qu'il s'agisse du Parlement, du Comité économique et social, du Conseil, mais aussi des acteurs nationaux, à savoir les États, les organisations d'employeurs, les organisations syndicales, mais aussi les ONG et en particulier les associations qui travaillent et œuvrent dans le domaine de l'intégration et de l'accueil des migrants économiques. Ceci dans la perspective donc de chercher les options qui seront les meilleures. Alors, sur quelles questions et sur quel point l'Union européenne veut engager ce débat? Pour l'Union européenne, il ne s'agit pas de tout régler tout de suite. Elle préconise donc d'organiser le débat sur lequel donc, chaque État membre est sollicité aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année 2005, et peut-être des régions comme la communauté autonome du Pays Basque. C'est que ce débat doit porter sur des questions qu'elle estime clés parce qu'elles sont interdépendantes eu égard aux cinq éléments de la conception migratoire dont je vous ai fait part à l'instant. La première question proposée au débat, c'est celle du degré d'harmonisation. Quel degré d'harmonisation entre les États membres? Pour l'Europe, aujourd'hui, il n'est pas question d'imposer du jour au lendemain une politique commune. Et je reprends les termes du livre vert, l'idée, c'est celle d'un passage, et peut-être que c'est un terme à l'origine, une inspiration française, d'un passage en douceur des règles nationales à des règles communautaires. C'est-à-dire, on envisage une période transitoire, une période progressive. Mais sur quoi doit porter cette harmonisation? Eh bien d'abord, l'Europe préconise qu'il y ait une réflexion sur la législation relative aux critères d'accueil et de sélection des migrants économiques. Selon quelle définition et selon quelle procédure? Sachant que l'Union reconnaît que les États membres doivent rester libres de fixer les quantités de migrants dont ils ont besoin. Toutefois, elle préconise qu'il y ait une meilleure coordination, c'est-à-dire que les États membres fassent remonter des informations sur la dimension quantitative des migrants économiques qui sont acceptés sur leur propre territoire et qui restent sur leur propre territoire. Quelle doit être la portée de la future législation communautaire? Ici, l'Union propose plusieurs hypothèses. Premièrement, elle imagine, première hypothèse, elle imagine une législation cadre, c'est-à-dire une proposition de loi générale qui porterait sur des critères généraux relatifs aux conditions d'entrée et de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans les États membres, qui concernerait l'exercice d'une activité
pendant plus de 3 mois, laissant ainsi de côté la question des migrations économiques temporaires ou de très courte durée, c'est-à-dire celles de moins de 3 mois, et qui pourraient donner lieu à des législations spécifiques qu'on connaît déjà et qui sont des législations sur le travail saisonnier. C'est la première hypothèse. Donc, première hypothèse, une loi cadre générale avec peut-être quelques dispositions spécifiques pour des durées de travail courtes. Deuxième hypothèse, deuxième scénario, l'Union préconise, pourquoi pas, d'avoir des réglementations sectorielles ou des directives sectorielles. Et ici, l'Union propose des tas de possibilités, par secteur d'activité, ou bien par catégorie, c'est-à-dire pourquoi pas des directives particulières pour les travailleurs d'un côté, pour les étudiants de notre côté, ou pour des travailleurs qualifiés de notre côté. Et donc on aurait ainsi, dans ce deuxième scénario, la cohabitation de plusieurs directives sectorielles ou catégorielles. On peut avoir également dans ce scénario des directives sur la prestation de services temporaires, etc. Troisième scénario, l'Union propose une hypothèse de régulation qui serait une hypothèse de régulation au travers de procédures dites accélérées ou dites d'urgence en cas de pénurie de main-d'œuvre et de qualifications particulières. Donc vous voyez ici, on est sur un scénario beaucoup moins ambitieux et de très court terme. Voilà donc les trois scénarios que l'Union met en perspective et en débat auprès des États membres en ce qui concerne donc la portée des législations à adopter. L'Union s'interroge également sur l'aspect relatif aux procédures d'admission pour les emplois salariés. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux sur ce point? En général, dans les États membres, on exige aujourd'hui que la preuve soit fournie par le travailleur ou par l'entreprise demandeuse que le poste à pourvoir ne peut pas être pourvu par la main-d'œuvre nationale et communautaire. Ça, c'est l'état actuel de la question. Sachant que cette gestion actuelle, qui est une gestion commune, et c'est un trait commun à tous les États membres, a déjà été validée par une résolution de 1994 de l'Union européenne qui a reconnu la possibilité pour les États membres de pratiquer ce qu'on appelle la préférence communautaire. Donc la question est de savoir si cette option peut et ou doit être maintenue pour élaborer les critères de sélection des migrants économiques. Sachant que, ici, le livre vert apporte une petite contribution qui n'est pas neutre et qui me semble importante. Le livre vert développe l'idée du maintien actuel du statu quo, c'est-à-dire qu'on maintient la notion de la préférence communautaire. Mais le livre vert ajoute: pourquoi ne pas étendre cette préférence communautaire aux ressortissants d'États tiers qui résident depuis un certain temps dans les États membres, c'est-à-dire aux ressortissants d'États tiers qui ont
en France ce que nous appelons le statut de résident privilégié. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis au moins 10 ans, qui sont là depuis au moins 5 ans, et qui ont une carte de résident, qui est une carte d'une durée de validité de 10 ans. Alors ça me semble important parce que l'Union européenne est aujourd'hui en train d'élaborer des textes pour faciliter la mobilité intracommunautaire de ces ressortissants d'États tiers longue durée. Elle a déjà adopté un texte de coordination des régimes de sécurité sociale étendus aux ressortissants d'États tiers de longue durée. On pourra y revenir ultérieurement si vous le souhaitez. Et donc, dans le livre vert, elle pousse un peu plus loin, si vous permettez l'expression française, le bouchon, en préconisant que ces ressortissants d'État tiers de longue durée accèdent aussi librement au marché du travail de chacun des États membres. C'est ça qui est derrière cette préconisation. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que au moins l'Union européenne, si ce n'est les États membres, est prête à mettre en œuvre et à concevoir un marché unique qui soit ouvert aux ressortissants d'États tiers non communautaires dès lors qu'ils sont là depuis un certain temps. Ce qui permettrait d'atténuer quelque peu l'image de forteresse qu'est en train de se faire l'Union européenne. Mais il s'agit d'une simple proposition. Autre proposition, ça serait d'élaborer des critères d'admission, soit des critères d'admission généraux, soit des critères d'admission par secteur et par besoin répertoriés selon les secteurs. Et ici, évidemment, ce scénario, cette proposition-là, va mettre en opposition les États membres entre eux. Puisque, vous le savez, au moins un État membre, le mien, la France, pour l'instant, rechigne, sauf M. Sarkozy, à une gestion sectorielle et par quota des besoins de main-d'œuvre. Et donc, aujourd'hui, le débat, si débat il y a, sur les critères d'admission au marché du travail peut connaître donc des divergences entre des États comme la France, qui fonctionne sur une admission relativement libre, hein, je dis bien relativement libre, et des pays qui se sont lancés dans l'expérience des quotas par imitation des États-Unis ou du Canada ou d'autres pays. Sachant que, bien évidemment, il existe, si c'était le système des quotas qui était choisi, il existe plusieurs formules et plusieurs formulations des quotas. Il peut y avoir, comme je le disais, des quotas sectorisés par secteur, par catégorie socio-professionnelle, mais ça peut aller aussi, et c'est ce qui se passe de fait ou de droit aux États-Unis, des quotas par nationalité, c'est-à-dire par pays d'origine. Alors, évidemment, là, on basculerait dans une autre conception de l'immigration et des politiques migratoires, sachant que l'Union européenne n'est pas totalement exempte, de fait, du quota par nationalité. Mais c'est implicite, ça n'est pas explicite, ça n'est pas consacré par les textes. Hein. Elle n'est pas totalement exempte puisque vous savez que certains pays ont conclu des accords bilatéraux avec des pays émergents ou des pays du Sud pour
l'accueil de certaines catégories professionnelles formées par ces pays-là. Mais nous, juristes en tout cas, nous faisons une différence entre un critère qui est utilisé de fait et donc qui reste marginal, et d'une utilisation marginale, avec un critère qui deviendrait, qui serait légalisé. Parce que là, on est alors dans un changement et dans une transformation des fondements de la politique migratoire. Une autre question dans les critères, c'est donc de savoir si il ne serait pas possible, avant d'imaginer un marché unique totalement ouvert aux ressortissants d'États tiers de longue durée dans les États membres, s'il ne serait pas possible d'avoir des critères de semi-ouverture, de semi-accès, c'est-à-dire lorsque, et là il s'agit de cuisine interne en quelque sorte, c'est-à-dire que on pourrait imaginer une législation communautaire selon laquelle, lorsque dans un des États membres fait défaut tel type, telle catégorie de main-d'œuvre, eh bien, on pourrait avoir, et on a d'ailleurs déjà des systèmes qui capitalisent, des sortes de bourses, qui capitalisent les potentiels et les qualifications dans l'ensemble des États membres, pour connaître les disponibilités catégorielles qui existent dans les États membres voisins. Et là, le livre vert utilise une terminologie qui me semble douteuse, qui est la terminologie du stock. C'est-à-dire que le livre vert dit que là, dans cette hypothèse-là, dans ce scénario-là, on gérerait les besoins de main-d'œuvre en gérant des stocks humains. C'est assez dérangeant, du moins pour moi, pour la juriste que je suis, ainsi que pour d'autres collègues, c'est dérangeant parce que là, nous tombons dans ce que nous appelons une réification des migrations, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus le migrant comme une personne humaine, mais comme, plutôt comme une sorte d'objet, de chose qu'on déplace ou qu'on permet de se déplacer à tel ou tel moment. Et donc, cette idée de stock est une idée qui peut être contraire aux droits de l'homme et qui, en tout cas, ne va pas dans le sens d'une libre circulation qui est souhaitable quand même, une libre circulation des ressortissants et des résidents sur le territoire communautaire. Donc, vous voyez que dans ce livre vert, on lance plein d'idées sur comment gérer et avoir une politique commune en matière de migration. Alors, dans le livre vert, on s'interroge également sur des critères de sélection, des procédures d'admission, non seulement pour les travailleurs salariés, mais également pour les travailleurs indépendants. Alors là, on touche à un domaine peut-être encore plus délicat que le domaine du travail salarié. Plus délicat parce que dans les États membres, et notamment dans les vieux États membres, c'est-à-dire dans les vieux pays d'immigration, il existe des règles nationales pour l'admission des travailleurs indépendants qui sont des règles, je vais le dire ici, des règles nationales mais aussi nationalistes. Dans le sens où, en France, et là je parle de mon pays que je connais bien, beaucoup de professions indépendantes sont régies par des textes qui date, et c'est un de nos problèmes, nous avons beaucoup de problèmes en France, celui-là c'en est un gros que nous n'avons pas réussi à vraiment à déblayer, enfin on l'a déblayé mais on ne l'a pas traité. Nous avons en France, et je pense que ça existe dans d'autres pays que la France, depuis l'avant-deuxième guerre mondiale, des règles corporatistes qui gèrent les conditions d'entrée de certaines professions indépendantes, professions de santé, professions commerciales, etc. Et ce sont des règles nationales et nationalistes, puisque dans ces règles, il existe
comme critère de sélection le critère de la nationalité. Et pour pouvoir accéder à certaines de ces professions, il faut avoir la nationalité française ou la nationalité d'un État membre, parce qu'évidemment on s'est fait taper du doigt par la Cour de justice des communautés européennes, donc on s'est un peu dénationalisé sur ces règles-là, mais... lorsque Martine Aubry était ministre du Travail au milieu des années 90, elle avait ouvert le grand chantier de discrimination. Dans ce chantier, il y avait ce dossier-là très épineux, puisque c'est quand même quelque chose comme 6 millions de postes de catégories professionnelles qui sont fermés aux étrangers, en raison de la nationalité. Donc, quand l'Union européenne propose dans le livre vert d'ouvrir la question de la réglementation commune du travail indépendant, elle touche à une question qui est très sensible, parce qu'elle chatouille un des aspects des pouvoirs régaliens des vieux États membres. Même si l'Union européenne a déjà trouvé, on va dire, une sorte de parade face aux besoins de travail indépendant. La parade, c'est celle de la prestation de services dont vous avez entendu parler et qui est un peu à l'origine aussi, qui est un des éléments à l'origine du non français vis-à-vis de la Constitution européenne. Cette parade, en effet, elle consiste à conclure un marché avec une entreprise qui n'est pas installée sur le territoire de l'Union européenne, qui est installée en dehors de l'Union européenne et qui détache des travailleurs sur le territoire sur lequel on a besoin de cette main-d'œuvre. Donc, ça, c'est une parade qui a été trouvée. C'est une parade qui n'est pas satisfaisante parce que c'est une parade qui vraiment facilite, provoque le dumping social, puisque là, on joue réellement sur des différences de niveau de protection sociale, j'entends sociale au sens large du terme, entre des travailleurs du dedans de l'Europe et ceux du dehors de l'Europe. Et donc, d'un point de vue social, du point de vue de la cohésion sociale, ce n'est évidemment pas une préconisation du livre vert de l'Union européenne. En tout cas, le livre vert, a juste quelques lignes, une dizaine de lignes, sur cette question d'une réflexion sur le travail indépendant au sein de l'Union. Et puis, je vous ai dit, parmi les 5 éléments importants de la réflexion communautaire, puisqu'il s'agit de se démarquer des autres systèmes migratoires, et notamment du système nord-américain, ou du système moyen-oriental d'ailleurs, l'Union européenne estime que si elle a besoin d'accueillir de la main-d'œuvre migrante, elle se doit de lui reconnaître des droits et d'élaborer un statut. Un statut en termes d'accueil, mais aussi un statut en termes de résidence. Alors, évidemment, là, on rencontre, et c'est peut-être un point vraiment de convergence, on va dire, entre l'Union, c'est-à-dire entre le haut, Bruxelles, et les États membres, les vieux États membres. Parce que, au moins pour des États membres comme, on va faire quelques restrictions peut-être quand même, au moins pour des États membres comme la France et l'Allemagne, la question des droits sociaux des migrants est une question qui n'est pas nouvelle, c'est une question qui est abordée depuis, on va dire en France pour le moins, depuis le milieu des années 70. Et donc, c'est une question qui est en construction depuis ce moment-là, et c'est vrai que le construit est un construit assez intéressant, qui va certainement inspirer l'Union européenne, mais c'est un construit qui, vous le savez, est en concurrence avec d'autres construits, et notamment avec le construit au Danemark ou en Grande-Bretagne, qui n'est absolument pas le même. Alors, que dit le livre vert? Eh bien, le livre vert, il l'a encore, comme pour des projets de législation en matière d'entrée et de séjour, le livre vert ouvre des pistes de réflexion. Et le livre vert dit, voilà, on peut imaginer
plusieurs scénarios, une législation qui prévoit peut-être une gradation de la reconnaissance des droits sociaux en fonction de la durée du séjour. On peut aussi prévoir une différenciation des droits sociaux en fonction des besoins à moyen et long terme des États membres. Par exemple, l'Union européenne dit dans le livre vert, si à long terme, les États membres ont vraiment besoin de main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée, eh bien, peut-être qu'il faut favoriser encore plus que ce qui est fait dans le droit commun, le regroupement familial. Peut-être qu'il faut favoriser une mobilité plus fluide du travailleur lui-même, mais aussi des membres de sa famille, en termes d'éducation, en termes d'accueil des enfants, mais aussi des conjoints. Donc, voyez, l'Union européenne dit ces droits, la reconnaissance de ces droits sociaux peut être graduée, c'est-à-dire qu'on peut avoir une gradation vers l'égalité totale de traitement, et de même qu'on peut avoir une gradation en fonction de la nature des droits envisagés, puisque vous êtes bien d'accord, le droit à la protection sociale, par exemple, ou le droit à des conditions de travail égales, n'est pas la même branche du droit, n'est pas le même droit que le droit au regroupement familial qui relève donc d'une autre branche du droit. Et donc, l'Union dit, on peut aussi varier les statuts selon la nature des droits. Et pour terminer, et cela me semble intéressant et on rejoint le dernier élément de la conception communautaire des migrations économiques, l'Union européenne s'interroge sur le fait que, de manière très égoïste, elle capterait de la main-d'œuvre qualifiée ou des bras dans des pays en voie de développement et qui ont besoin, autant qu'elle, de ses bras et de ses personnes diplômées. Et donc, l'Union européenne, et il faut mettre cela à l'honneur de l'Union européenne, dans ce livre vert, elle indique que si une politique migratoire pour résoudre les besoins économiques en Europe est établie, elle ne doit pas l'être sans penser aux effets pervers que peut impliquer la fuite des cerveaux pour les pays émergents ou plus généralement l'exode des pays émergents vers les pays du Nord. Et donc, il y a dans le livre vert des pistes de réflexion tout à fait intéressantes qui sont tirées des quelques expériences que nous avons dans certains États membres de politiques toujours commencé mais jamais abouti de co-développement. L'Union européenne propose par exemple, envisage par exemple, l'idée qui me semble plusieurs idées. Et je vous les donne en vrac et nous pourrons en discuter parce que peut-être qu'il faut que je m'arrête, c'est ça? Voilà, je vois bien. Je vous les donne en vrac. Elle émet l'idée qu'il y ait des facilités pour que les migrants puissent retourner dans leur pays d'origine et revenir dans le pays d'accueil. C'est-à-dire peut-être renouer avec une migration pendulaire, une migration plus fluide, d'aller et de retour, et donc d'une certaine façon de se rapprocher de la liberté de circulation, de l'idée de mobilité, mais mobilité dans les deux sens. Une autre idée est celle de faciliter le transfert des fonds. Vous savez que c'est une question très importante. Lorsque les migrants viennent pour travailler, évidemment, l'objectif pour eux, c'est de pouvoir transférer une partie de leurs fonds ou de leurs économies vers les communautés d'origine. Et vous savez que
un des grands problèmes, c'est que ces transferts ne sont pas, d'une part, facilités, et d'autre part, qu'il existe une forme de taxation par les systèmes bancaires qui ponctionne beaucoup d'argent sur ces fonds, péniblement gagnés par cette main-d'œuvre. Donc, là aussi, l'Union dit, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas ignorer que ces fonds transitent. Eh bien, si nous profitons de la main-d'œuvre, il faut que les pays qui nous permettent d'avoir cette main-d'œuvre puissent en juste retour bénéficier aisément des fonds et des finances acquises par cette main-d'œuvre. Et puis, une autre idée qui me semble plus qu'intéressante, il y a l'idée d'une sorte de dédommagement des pays tiers, c'est-à-dire quand même des pays émergents qui sont quand même pauvres et qui investissent dans la formation de cette main-d'œuvre qualifiée qui ne va pas rester là, qui part. Et donc, il faut savoir quand même que... Alors, je vais vous donner un petit chiffre. Je chercherai pendant le débat. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de système de formation continue. Que le pourcentage, je vous donnerai un grand nombre de main-d'œuvre, de personnes qualifiées aux États-Unis, provient des pays du Sud ou des pays en voie de développement. Ça veut donc dire qu'en profitant de la main-d'œuvre, qualifiée grâce à un investissement sans retour des pays du Sud, on ne fait que provoquer un appauvrissement continu vis-à-vis du Sud. Et il y a là, à mon sens, une dette que nous avons, que les pays, en particulier de l'Europe et des États-Unis, ont à l'égard du Sud. Et c'est la première fois que dans un texte communautaire tel que le Livre vert, je vois poindre cette idée de la dette et du dédommagement, qui évidemment peut prendre toutes sortes de modalités, n'est-ce pas? Et bien évidemment, l'Union européenne et le Livre vert abordent la question de l'intégration et de l'accueil dans les différents États membres qui doivent, un accueil, une intégration qui doivent faire l'objet de critères partagés, harmonisés sur le plan de l'Union européenne. Et donc, pour terminer, l'Union européenne estime que l'immigration est, pour les années à venir, une condition sine qua non de son développement. De son développement économique et de son développement démographique. Ceci, bien sûr, parce qu'elle le replace dans un contexte mondial et global. Et que donc, il s'agit, au travers du Livre vert, d'amorcer un débat sur les solutions optimales qui permettraient de résoudre cette question sans oublier les pays émetteurs de main-d'œuvre et sans oublier donc la question à la fois de l'intégration et du co-développement. Je vous remercie. Bueno, muchas gracias, Isabel, por tu exposición extensa y bastante intensa. Y ahora podríamos pasar a realizar algunas preguntas. Sí. Sí. El micrófono, a ver un momentito. A ver, el micrófono está ahí. Vous avez dit que les immigrants qui viennent dans les pays du Sud, par exemple, c'est seulement pour atteindre les pays du Nord de l'Europe, non, par exemple? C'est la tendance majoritaire. Vous pensez vraiment que les immigrants de l'Amérique du Sud, je pense, qui viennent directement en Espagne, par exemple, vous pensez vraiment que son intention est de partir dans les pays de l'Europe? Bon, alors, évidemment, comme je n'avais que... Ah, pardon.
pueblo, como ha dicho que los inmigrantes que vienen de a los nuevos países de inmigración, de Europa, por ejemplo, del sur, como es España, yo he preguntado si creo realmente que la gente que viene de América del Sur, que viene directamente de España, piensa luego marcharse a Alemania y a Francia, porque me parece que no es así. Non, alors évidemment, c'est caricatural. Il n'est pas question de dire que il ne s'agit que de cela. Ce que je vous ai donné là, ce sont des tendances globales, qui sont relevées donc par des études internationales sur les migrations. Maintenant, bien évidemment, qu'on peut, dans le cadre du débat, nuancer et distinguer. Et je pense qu'il faut distinguer en prenant en compte, peut-être, plusieurs éléments. D'abord, il faut prendre, premier élément à prendre en compte, c'est s'agit-il de migrants clandestins ou de migrants légaux? C'est une question très importante. S'il s'agit de migrants légaux, il faut donc en déduire que ce sont des personnes qui ont obtenu l'autorisation de venir séjourner en Espagne pour y travailler ou pour rejoindre la famille, etc. Et donc, on peut estimer que s'il y a eu cette demande, c'est parce que l'objectif, c'est bien sûr plutôt de rester en Espagne ou dans les régions espagnoles. Mais on peut aussi penser que c'est peut-être pour entrer une première fois dans l'Union. Peut-être parce qu'en Espagne, pour l'instant, il est peut-être, ou en tout cas il l'était, parce que les chiffres dont nous disposons, ce sont des chiffres jusqu'à 2003. Et évidemment, les choses évoluent beaucoup, notamment en matière légale, n'est-ce pas? Mais peut-être que jusqu'à 2003, il était plus facile d'obtenir une autorisation d'entrée en Espagne que d'obtenir une autorisation d'entrée en France. Vous voyez? Donc, ça c'est si on prend des migrants légaux. Maintenant, si on prend, pour continuer avec les migrants, si on prend les migrants illégaux, qui arrivent donc par la Méditerranée au risque et au péril de leur vie, eh bien, là, il y a plusieurs scénarios, et certains d'entre eux sont évidemment dramatiques, parce que si ces migrants parviennent un jour à accoster sur la terre espagnole, dans le sud de l'Espagne, évidemment qu'ils sont complètement appauvris et qu'il faut qu'ils trouvent un travail pour avoir de nouvelles ressources, soit pour rester là, soit pour partir ailleurs. Et ces nouvelles ressources, évidemment, ils l'obtiennent dans la clandestinité. Et cette clandestinité, vous savez qu'il y a une organisation de la PEGRE, qui est une organisation économique clandestine de la migration. Or, la PEGRE qui naît et qui se développe sur le terreau de la migration, c'est une PEGRE qui est nationale, mais aussi internationale. Hein? Ce sont les trafics, sont des réseaux, sont constitués de réseaux globalisés. C'est-à-dire que non seulement on peut trouver peut-être un travail clandestin dans une ferme agricole en Espagne, mais on peut aussi, et certains de ces migrants vont être captés par des réseaux qui vont procéder à des trafics d'êtres humains ou autres, et qui sont des réseaux qui circulent pas seulement sur le territoire espagnol. Pour terminer, bien évidemment, les projets migratoires des individus sont des projets qui ne sont pas totalement, pour utiliser une expression française, ils ne sont pas totalement ficelés et définitifs dès le départ. Parce que souvent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement l'idée de tenter sa chance et de tenter toutes ses chances. Ça veut donc dire que le projet migratoire est un projet qui évolue chez le migrant en fonction des réalités auxquelles il va être progressivement confronté. Voyez ? Et peut-être que les difficultés seront telles qu'il sera effectivement stoppé dans le sud de l'Espagne, ou qu'il sera
stoppés dans d'autres régions, dans le sud de l'Italie ou ailleurs. Maintenant, bien évidemment, le migrant, pour lui, partir, c'est un risque incommensurable. C'est un risque incommensurable. C'est pourquoi, comme tout être humain, il va essayer de minimiser les risques. Pour minimiser les risques, eh bien, il va aller au plus proche de chez lui, c'est-à-dire dans le pays d'à côté. N'oublions pas que la masse des migrations africaines, subsahariennes, se déroule sur l'espace subsaharien. Ce sont des migrations circulaires qui ne traversent jamais la Méditerranée. Moins de 10% traversent la Méditerranée. Donc quand on décide, quand on minimise les risques, on minimise tous les risques, y compris le risque linguistique. Parce que bien évidemment, posséder une langue commune avec le pays d'accueil, c'est un atout majeur. C'est un atout majeur pour se débrouiller dans la clandestinité et c'est un atout majeur pour pouvoir s'insérer légalement. Donc, bien sûr, il va de soi que les migrants latino-américains resteront et auront tendance, mais encore faudra-t-il faire des études peut-être plus poussées et plus fines, auront tendance à rester plus naturellement sur le territoire espagnol, bien sûr. Igual el micro. Bueno, yo quería decir que, bueno, usted nos ha expuesto cómo progresivamente, la forma en que progresivamente la regulación de las medidas de inmigración ha ido recayendo en instancias de la Unión Europea y la manera en la que los Estados se han ido asumiendo la necesidad de que, si en Europa o en la Unión Europea necesitamos mano de obra, también debemos conceder derechos. Y digo conceder y no reconocer, porque pienso que el reconocimiento de derechos va directamente unido de la condición de ciudadanía. Y lo que voy a la pregunta es, dado que hoy por hoy en la Unión Europea somos ciudadanos de la Unión Europea, en tanto en cuanto somos nacionales de los Estados de la Unión Europea, ¿qué piensa usted respecto a la posibilidad, la necesidad de crear un nuevo modelo de ciudadanía de la Unión Europea desvinculada de la nacionalidad de los Estados miembros y más relacionado con la residencia en uno de los Estados miembros? Alors c'est une question qui est passionnante. Dans mes publications, je développe l'idée de la contamination. De la contamination de cette approche très moderne de la citoyenneté que nous avons grâce à l'Union européenne. C'est grâce à l'Union européenne que nous n'avons plus une approche nationaliste de la citoyenneté, puisque dans l'Union, dès lors que l'on est effectivement un ressortissant d'un État membre, on est citoyen européen et donc on bénéficie de l'égalité de traitement entre ressortissants d'États membres. Et je parie sur la contamination de cette citoyenneté-là en faveur de ressortissants d'États tiers. C'est un pari qui n'est pas fou, parce que je peux déjà vous dire que cette contamination, elle a déjà eu des effets en matière sociale, qui est le domaine que je connais bien. Exemple. Vous savez que l'Union européenne a des accords de coopération avec des États tiers, notamment avec quatre États qui sont des États d'Afrique du Nord, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Maroc, et avec un autre État, le quatrième, qui n'est pas d'Afrique, mais qui depuis longtemps espère rentrer dans l'Union européenne, avec la Turquie. Ces accords de coopération, qui sont de vieux accords de coopération, n'est-ce pas? Ils datent des années 60 ou 70. Il existe un principe d'égalité de traitement en matière de droits sociaux
entre les ressortissants des États membres et les ressortissants de ces États tiers. Alors, ça a donné lieu, en France en tout cas, à des batailles jurisprudentielles complètement folles, parce que les organismes de sécurité sociale ont résisté pendant plus d'une décennie à l'application du principe de l'égalité de traitement qui était consacré dans ces accords de coopération. Et finalement, on a eu raison de ces résistances grâce à la Cour de justice des communautés européennes qui a condamné la France à plusieurs reprises sur cette question, et parce que finalement la France a fini par modifier sa législation et par établir une égalité de traitement. Et donc voilà un effet tangible et positif d'une contamination de la notion de citoyenneté européenne sur des ressortissants d'État tiers. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il faut alors pouvoir être ressortissant d'un État tiers qui a signé un accord de coopération avec l'Union européenne. Je suis d'accord. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a une idée qui est en marche. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que, et c'est donc la deuxième contamination, je vous ai dit tout à l'heure que, je ne sais pas préciser peut-être l'année, mais en 2003, l'Union européenne a modifié un de ses plus vieux règlements communautaires, qui est le règlement 1408 de 1971, et qui est le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale en cas de mobilité intra-européenne pour des ressortissants d'États de l'Union européenne. L'idée étant que, dans le règlement de 71, si l'Union se fonde sur la libre circulation des personnes et singulièrement des travailleurs, il faut que rien n'empêche cette libre circulation. Pour que rien n'empêche cette libre circulation, il faut que, du point de vue du droit social, chacun puisse se mouvoir, chacun puisse user de sa liberté de circulation en ne subissant pas les dommages de cette circulation d'un point de vue social. C'est-à-dire que chacun, tel la tortue ou l'escargot, transporte avec lui-même, sur son dos, tout ce qu'il a pu capitaliser dans un État membre. C'est ça, la coordination des systèmes de sécurité sociale du règlement de 71. Eh bien, en 2003, on a pris la décision d'étendre cette possibilité aux ressortissants d'États tiers résidant dans la communauté européenne. Voilà donc une autre contamination. Et c'est une contamination qui est complètement cohérente avec la notion de citoyenneté telle qu'elle est développée dans l'Union européenne, puisque c'est une notion qui donne le privilège, qui donne la dominance à la citoyenneté sociale, hein, qui vient s'imposer à la citoyenneté du point de vue de la nationalité. Maintenant, évidemment, comme je vous l'ai dit, dans le livre vert, on préconise peut-être la solution de reconnaître la libre circulation, en fait, pour le travail à ses ressortissants d'État tiers. Néanmoins, aujourd'hui, dans le projet de constitution mis un peu entre parenthèses en raison des deux noms français et hollandais, dans ce projet de constitution, il y a un manque vis-à-vis des ressortissants des États tiers, qui est un manque que nous, en tout cas dans la doctrine française, nous avons signalé au travers de publications. Dans ce projet de constitution, on ne reconnaît pas l'égalité de traitement et la non-discrimination en raison de la nationalité. C'est-à-dire que on ne reconnaît pas l'égalité des droits, quelle que soit la nationalité. Et donc vous avez raison de dire qu'il n'y a pas, pour l'instant, en Europe, du point de vue textuel,
la reconnaissance d'un principe de non-discrimination en raison de la nationalité en dehors de l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une vision autre de la non-discrimination? Et donc, est-ce qu'il est possible de commettre la non-discrimination en raison de la nationalité? Il me semble que la tendance, elle est plutôt à cela. Mais bien évidemment, ça n'est pas acquis. Donc, je dis que la tendance est à cela parce que sur le plan social, on voit des contaminations qui sont à l'œuvre. Et donc, on voit vraiment des articulations et des dynamiques en termes de droits et de statuts qui sont à l'œuvre et qui sont tout à fait favorables à cela. Mais d'un point de vue politique et d'un point de vue institutionnel, bien sûr, nous ne sommes pas encore à cette étape. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Sí, la última pregunta, sí. Micrófono. Je voudrais vous poser la suivante question. Lorsque vous avez fait mention aux pays qui sont les plus influents, ceux qui aujourd'hui accueillent plus aux immigrants, vous avez cité l'Espagne et l'Italie. Et vous avez dit que c'est pas le sens de. Oui, allez-y. Vous avez dit qu'en Espagne, on a tendance à faire des régularisations. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est du fantasme. Oui. Mais les gens, quand même, ils ont réactionné. Donc, je voulais demander cela. Est-ce que ce n'est pas possible, par exemple, qu'il se voit que l'Espagne a vraiment besoin de la main? Et puis, est-ce que ce n'est pas possible aussi que ça soit parce que l'Espagne, c'est une frontière avec l'Afrique? Et là, on connaît tout le monde qu'il y a un vrai besoin des gens qui rentrent en Espagne, même s'ils ne comptent pas avec le permis des Espagnols. C'est-à-dire que je crois que ça soit parce qu'on a l'espoir peut-être d'avoir des papiers, mais qu'ici il y a besoin vraiment des humains. Et en plus, l'Espagne, c'est dans cette situation géographique là où on accède à l'Espagne. Donc, là, tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, il faut s'entendre sur le terme accueil. On va pour l'instant parler d'arrivée plutôt que d'accueil. Les migrants arrivent par les portes sud de l'Europe et les portes est de l'Europe. Et donc, oui, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la Grèce sont des pays d'arrivée parce que ils sont aux frontières avec l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Donc, c'est là qu'ils arrivent massivement. Ils arrivent là massivement en situation irrégulière pour deux raisons. Parce que il faut aussi constater que dans ces pays, il existe des secteurs d'activité qui sont organisés et fonctionnent avec de la main-d'œuvre clandestine. Je ne veux pas dire que c'est l'apanage de l'Espagne ou de l'Italie d'avoir des entreprises agricoles qui fonctionnent avec des travailleurs clandestins. Mais on sait que dans les pays du Sud, et sans parler forcément de travail clandestin, le travail informel, le secteur informel, est un secteur qui est très développé, beaucoup plus développé qu'en France. Les marchands à la sauvette, on en voit dans les rues en Italie, on ne peut en voir
beaucoup, on peut en voir un petit peu en Espagne, on n'en voit pas vraiment en France. Donc il y a non seulement la position géographique de ces pays, mais il y a aussi l'organisation et la structuration économique de ces pays qui favorise, je dis bien, la captation d'une main-d'œuvre en situation irrégulière ou en situation régulière. Mais en même temps, ce sont des pays aussi qui sont en pleine expansion économique, hein, parce que ce sont des pays qui tirent aujourd'hui les bénéfices de l'intégration communautaire. Et donc, alors que c'était des pays qui n'étaient pas en mesure de capter leur propre main-d'œuvre, aujourd'hui, ils manquent de main-d'œuvre. Et ils manquent de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Et en Espagne, ils manquent de main-d'œuvre dans le secteur des services. En particulier, je crois que 16,5% des travailleurs du secteur des services sont pourvus par des emplois étrangers. Donc, certains, c'est la construction. Donc, il y a des secteurs qui sont très captifs. Quant au fait au fantasme, oui, bien sûr, les pays du Nord ont peur des régularisations répétées. Alors qu'on avait promis, alors que le gouvernement espagnol avait promis de ne plus régulariser, ils ont peur de cela parce que, évidemment, c'est plus facile de franchir une frontière, même si on n'a pas eu une autorisation administrative du travail de part de l'administration, c'est plus facile de franchir une frontière avec des papiers, c'est-à-dire avec un permis de travail ou un permis de séjour de l'Espagne, plutôt que sans rien. Hein. Et vous voyez combien, après, la question de la circulation des travailleurs sur le marché européen est une question difficile et délicate. Et vous voyez combien alors les propositions qui sont faites dans le livre vert sont des propositions quasiment révolutionnaires dans le sens où elles sont loin d'être acceptées par l'opinion publique et loin d'être acceptées par les travailleurs aussi tout simplement des États membres parce que il faut quand même reconnaître que les employeurs, qui sont aujourd'hui demandeurs et les premiers demandeurs de main-d'œuvre migrante, les employeurs, malgré le principe de l'égalité de traitement en matière de conditions de travail et d'emploi, eh bien, discriminent. Et donc, oui, les travailleurs locaux craignent une concurrence sur place. C'est de même que l'utilisation et le recours à de la main-d'œuvre irrégulière dans des centres de travail clandestins, ce sont ce que appellent les économistes français des délocalisations sur place. Donc, le livre vert ouvre un chantier très délicat, très difficile, avec des perspectives qui me semblent intéressantes parce que quand même, comme je vous l'ai dit, on envisage la migration comme un tout, c'est-à-dire qu'on n'omet pas la question de l'accueil, la question de l'intégration, la question des droits et la question de la compensation à apporter aux pays émetteurs de main-d'œuvre. Mais c'est un livre un peu brûlant de par les propositions qui sont faites, notamment parce qu'il y a quand même, se profile quand même, l'idée d'un marché unique élargi. Bueno, es una lástima que tengamos que cortar aquí, pero se nos ha echado la hora encima. No obstante, mañana tendremos la ocasión de seguir, de volver sobre el tema de inmigración y mercado de trabajo, que yo creo que es un punto importante. Agradeceros vuestra atención a todos vosotros y vosotras, y, como no, a Isabel por todas sus intervenciones de hoy. Vale.